Tiens, c'est premier. Tiens, c'est embrassé. C'est bon, je travaille, là. Eh, pour être maçon, t'en auras pas besoin, hein. Comment tu t'appelles? Mokhtar, mais tout le monde m'appelle Momo. Vous savez jouer à la pétanque, monsieur Momo? C'est difficile, hein. S'il y arrive, je me la coupe. Putain, c'est quoi cette embrouille? Il faut cracher au bacillé, maintenant. La satanée bouille. T'en es encore là. Maman, je vais faire une grosse affaire. Ouais, je la connais, ta grosse affaire. Jackie? T'as mal aux jambes? T'as trop couru les offres d'emploi? Je vais organiser un concours international de pétanque et pour le gagnant, je vous propose 500 000 euros. Le voilà, notre gros coup. T'as plus envie de devenir un champion? Des petits détails, ne m'interrompez pas. Vous cherchez... Je viens pour la livraison. Merci. Ça, c'est la semoule. C'est ma mère qui la prépare. Un poil collante. Ah, mais comme toutes les mères. Non, la semoule. Ce que je vais t'apprendre, il y a 3 ou 4 mecs en France qui le savent. Tu vois? Le couscous. Mademoiselle Ferlet, notre ami est maghrébin, c'est pas une raison pour l'appeler le couscous. Qui est d'accord pour qu'on le prenne? Il y en aura des meilleurs. Capable de chanter la Marseillaise. Je voulais juste savoir si vous alliez vous comporter comme un con pendant toute la tournée ou si ça avait des chances de s'améliorer. La gloire, les flashs, tout ça. Ne changez pas trop. Attends, qu'est-ce qu'elle a la starlette? Il lui faut des journalistes et du sable en or pour jouer au boule maintenant? Oubliez-moi! Et depuis toujours en séjour irrégulier. Mon mot s'en va. Ça vaut mieux pour tout le monde, hein. Je viens pour mon mot. Qui se démerde, c'est plus mon problème. On sent chez vous un vrai sens profond d'amitié. Ouais. Comment vous vous appelez? Mokhtar, je m'appelle. Mais tout le monde est m'appelle mon mot. Ah non, non, monsieur, je crois que vous êtes trompé de fil, hein, c'est de l'autre côté. Je voudrais prendre la nationalité algérienne et le plus rapidement possible. Hein?